Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45. Aujourd'hui, grosse annonce pour vous parler de mon avenir en tant que streamer et vous expliquer un petit peu le fond de l'affaire. Vous devez sûrement vous poser quelques questions, je vais tenter d'y répondre et on finira bien évidemment par tous s'entresucer sur la fin de cette vidéo. Première question que vous devez vous poser, quand est-ce que tu feras ton premier live? Sachez qu'à partir de demain, 19h, je ferai mon premier live sur Twitch. Je vous invite donc à me rejoindre dès maintenant et me follow sur twitch.tv/MrBboy45 pour avoir une alerte mail et téléphone dès que je pars en live, histoire que vous me voyez un petit peu partout. Après c'est du harcèlement les gars, hein, je peux pas faire plus. Hein. Pourquoi avoir quitté Dailymotion puis YouTube? Je ne vous cache jamais rien, donc je vais tout vous expliquer assez simplement. Dailymotion fut une belle expérience pendant 2 ans avec des hauts et des bas, même pas mal de bas pour être honnête avec vous. Mais peu importe, j'avais une bonne relation avec les personnes derrière, ce qui me permettait de donner non seulement des idées pour améliorer leur plateforme, mais j'avais aussi cette impression d'être écouté. Et pour Level Down, c'était pas rien. Point aussi très important, et ça, je me doute que voilà, vous vous posez un petit peu la question, Dailymotion offrait une très bonne rémunération sur les publicités. Ça me permettait donc de mieux vivre uniquement grâce aux pubs, et ça, c'était quand même un point non négligeable. Là où YouTube et Twitch, vous oubliez totalement les revenus par publicité, c'est une catastrophe. Mais Dailymotion, c'est une organisation compliquée, et surtout des bugs parfois interminables et corrigés au bout de bien trop longtemps pour pouvoir oublier ou mettre ça de côté. J'avais donc le choix entre l'argent immédiat et vous proposer une meilleure expérience. Le choix fut pris et je suis parti sur YouTube pendant 5 mois. Quel bonheur d'avoir un live mine de rien impeccable à vous offrir via YouTube. Vous étiez tellement satisfait que j'en étais bien évidemment tout aussi heureux. Live parfaitement fluide et peu de bugs, 1080p, 60fps, pas de décalage de 20 secondes, bref. On faisait environ 5000 viewers par soir et discuter avec vous devenait plus simple. Puis, j'ai réfléchi à pas mal de choses de mon côté et malgré que je live sur ma chaîne principale, des gens continuaient à me demander où me suivre en live sur la chaîne secondaire. C'était pourtant pas bien compliqué de me trouver, n'est-ce pas? Je me suis donc posé la réflexion parce que je réfléchis, je suis là, bam, on se pose des réflexions. Qu'est-ce qui se passe? Quand on pense live, on pense à quel site? Forcément, il n'a pas fallu longtemps, bien évidemment, on pense à Twitch. Twitch a été conçu pour les lives, donc chat parfaitement fluide, qui subira sans pression les lives et les events. Là où le chat YouTube était un véritable enfer dès que trop de gens parlaient dedans. Donc là, on aura aussi un flux vidéo parfaitement fluide et surtout un dashboard impeccable. Alors, le dashboard, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, le dashboard, si vous voulez, c'est un peu le coulisses du streamer. Il peut tout gérer via son dashboard, bannir, mettre au modérateur, mute, voir les dons, mettre de la pub et j'en passe. Un bon dashboard, ça met clairement à l'aise un streamer. Là où YouTube, encore une fois, avait un petit peu de mal quand même de ce côté-ci, étant donné que YouTube n'a pas été fait pour les streams. C'est avant tout une plateforme de VOD. Je pourrais aussi offrir aux subs un service qui, je l'espère, sera à la hauteur grâce à des émoticônes exclusives dessinées pour vous. Et encore une fois, là où les subs YouTube, j'avais malheureusement rien à leur offrir et c'était assez terrible. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire que Dailymotion fut une expérience incroyable. J'ai fait 2 lives de 24 heures avec plus de 11 000 viewers à 1h du matin et ce fut tellement magique. Je suis quand même resté 2 ans sur Daily, 2 ans de courage les amis. YouTube à côté, bien que j'y sois resté que 5 mois, fut une expérience tout aussi bonne. Notre première Big Up a été organisée dessus d'ailleurs et sûrement pas la dernière. Vous m'avez tellement donné faim avec des petits tournois sur plusieurs jeux que je ne peux que continuer à essayer de vous proposer le meilleur. Il faut aussi savoir que les raisons citées précédemment ne sont pas les seules. J'ai aussi choisi Twitch car vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est jamais bon de tout réunir au même endroit. Si jamais quelque chose ne va pas, c'est tout qui en pâtit. Et c'est aussi bon à savoir si certains comme moi se posaient des questions. Avec les soucis YouTube arrivés récemment, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Même si je n'ai pas vraiment été impacté, ça aurait quand même pu nous tomber dessus. Alors certes, j'aurais moins de viewers car je dois reconstruire un petit peu mes lives et faire en sorte que ce nouveau lien devienne votre rendez-vous quotidien. Mais je ne doute pas sur le fait d'avoir fait le bon choix. Rendez-vous donc chaque jour sur Twitch à 19h pour des lives de folie. Maintenant, nous allons sur Twitch. Nouvelle expérience et j'ai aucun doute
sur le fait que tous ensemble, on va vivre des moments incroyables avec du beau jeu, des failles et surtout des moments de rigolade totalement dingue, bien évidemment. J'espère que vous rigolez d'ailleurs en regardant cette vidéo totalement folle. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Ce n'est pas que de la propagande pour vous dire « Hey, maintenant je live sur Twitch, venez, on va s'éclater, qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est totalement la fête, un max de fun, bien évidemment. » C'est tout d'abord pour vous expliquer les changements qu'il y a eu, mais surtout pour vous remercier infiniment. Vous m'avez toujours suivi avec un certain degré de confiance. Chaque jour, je fais tout pour vous offrir le meilleur et chaque jour, vous me permettez de vivre de ma passion. Et car ce mot passion est devenu maintenant une ironie, mais au fond, il n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Je fais des rimes, je suis totalement incroyable. On prend jamais assez le temps pour vous remercier. Alors cette vidéo est aussi là pour ça. Merci. Merci de me faire vivre un rêve éveillé chaque jour. À très bientôt. On se retrouve en live dès demain, 19h. Bisous tout le monde.